Bonjour à tous. Vidéo du jour sur un mobilette Fox Peugeot. Elle voulait pas démarrer. Voilà. C'est une année 2013. Pour ça, un démarreur électrique, ça veut dire démarrage électrique et électrique normal. Voilà. On va commencer démontage cette partie. On va changer les tournevis. Boîte à air. Voilà. Démonter le cache pour accéder à l'intérieur. On va voir si le propriétaire il a laissé le filtre à air ou pas. S'il a laissé, regardez comment l'état complet. Plein d'huile. Bah oui, c'est pour ça qu'il démarre pas. Regardez. Ça a changé. Regardez. On va démonter toute cette partie, celle-là. Et on va commencer le nettoyage et après, on va démonter l'autre côté aussi. On met la mobilette de l'autre côté pour démonter cette face aussi. Voilà, possède un CDI. Voilà le problème. C'est pour ça qu'il ne voulait pas démarrer. En fait, celle-là. Le fil qui est cassé. On va changer la fiche. Et après, on va ici. On va mettre juste comme ça pour essayer. Si ça vient du problème d'ici ou pas. Et après, on commence le démontage. On va changer la batterie et on va essayer. On a une batterie ici. On a un mélange d'huile à part.
on va essayer. Ça donne quoi? Je dois laisser la batterie en charge 10 ou 20 minutes à peu près. Après le temps qu'on va souder le fil qui est cassé ici. Tout à l'heure. Voilà. On a ramené des fiches neuves. Voilà. On doit changer tout de suite. On va juste essayer parce qu'il y a des grosses, des petites. Ça va. Ça, travail propre. Par les pinces. Voilà, c'est bon. Voilà, la fiche elle est à sa place. On doit démonter la bougie pour voir l'état de bougie comment elle est. Regardez comment elle est. Plein d'huile. Changer. Après, on va tester d'abord les étincelles. S'il y a des étincelles sur la bougie ou pas. Ouais. C'est bon. On va voir l'arrivée de l'essence. On va démonter. Cache. Ça, c'est un cache moteur. On a dévissé une pied de passager pour accéder au cache moteur. Voilà. On va démonter. Le bord derrière. Déjà, l'état de carburant est tombé. Là, il est sale, il est sale.
Voilà, on va faire un petit truc. J'ai arraché un peu de carton comme ça. On va ici mettre ici. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour mettre boucher le carburateur pour pousser l'essence. On va ici comme ça. Mais là, on doit démonter le carburateur complètement et on va faire un nettoyage complet. Et après, on refait un autre réglage carburateur. On va ici. Voilà, après démontage carburateur, même avec la boîte arrière, je mets la boîte arrière là-bas avec le produit pour nettoyer toujours. J'ai nettoyé tout le bas moteur, j'ai éliminé tout l'huile qui a été à l'intérieur. Regardez comment il est vraiment propre, même le carbone. Le carburant, pareil, il est propre aussi. J'ai tout nettoyé. En plus, j'ai pas mis encore le. J'ai changé, en fait, j'ai changé même les diurites, l'huile neuve, diurite essence. Regardez comment elle est. Je vais vous montrer l'autre côté. Voilà, diurite neuve, tuyau d'essence complet avec le filtre à essence neuf. On va voir est-ce qu'elle démarre tout de suite ou pas. On va ouvrir le robinet d'essence. D'abord et après on va voir. Impeccable. Impeccable. On va essayer encore. Au quart de tour. On va essayer le troisième et le dernier. Au top. Là, juste le boîte à air, on va le nettoyer tout de suite et on va faire un montage. On va changer même le filtre à air aussi parce que regardez le détail, comment il est sale, l'huile et tout. Regardez comment il est. Déjà, il est mort. Voilà. Regardez, il y a des fois, déjà quand je touche, regardez, il lâche quoi derrière. Ça a changé. Voilà.